Souvent, 5-7 à 2 également. Julien qui a marqué un but. Oh, on a essayé de se profiler. On s'est profilé à travers la défense. L'HLV 7 à 2. Et le deuxième but de Julien, le numéro 2 de Salon de Provence. Donc c'est du salon du côté pardon à l'HLV. HLV avec 2 buts. Hein. En France avec 7 buts, 9 minutes pour inverser la tendance. Quel est le défi donné à HLV? Le 4, se reconstruit. La balle est au sol, il sera récupéré par HLV, récupéré par Morgane qui la transmet à Antoine. Qui a la balle, on essaie de reconstruire, salon qui se prépare une possible attaque avec sa défense. Tenté, et Médic est devant. Ah, ça ne passe pas, ça touche le haut. Avec le tir, Mike Canré de Noah, pénalité 3 pour HLV. Ça touche le bas, la balle est au sol et sera ramassée par Julien. Et 3 pour HLB. Temps mort arbitre. Pénalité 3 qui sera joué par le Salon de Provence, 7 buts à 2. Le défi donc de Salon de Provence de conserver son avance. La passe au numéro 3. Victor qui rebrouche chemin, Salon de Provence qui rentre et qui décide de remonter. La passe au numéro 6. Victor qui fait la passe au numéro 7. Clément. Premier but pour Clément dans cette rencontre, 8 buts à 2. Quentin, HLB qui rentre pour faire la passe à son collègue. La passe à Morgane. Il va faire la passe à Antoine. Morgane qui récupère.
numéro 1 Quentin qui est juste devant. Et c'est mal cadré avec la tentative de tir de Morgane. Salon Provence qui récupère avec le 1, qui récupère aussi avec le 6. Et but du numéro 2, Julien. Neuf buts à 2. Oh là là, Salon Provence dans les 5 minutes de cette seconde période avec le but de Julien. Troisième but hein, quand même. Hein. Troisième but de Julien. 4 buts pour Victor. 1 but pour Colin, 1 but pour Clément. Allez, Salon Provence qui garde et qui conserve son avance. Allez, 5, 5. Un bon chemin, le de Julien. Le but est bloqué par la défense d'HLB. Le 7. Passe au 1, Thomas qui est le capitaine. La passe au 2, Julien qui rebrouille chemin face au capitaine d'HLB qui ne lâche pas. Et c'est demi-tour, on retente. Et c'est avec le but du numéro 1. Avec 8 points d'écart entre les deux équipes, il reste 3 minutes 40, ça va être serré. Temps mort, arbitre. Pénalité 3, joué par HLB avec le point de retard par rapport à Salon de Provence. Ah, ça rebouche chemin du côté du capitaine Valentin. Tenté de se faire arracher par Clément pour récupérer. Ça entre pour HLB pour essayer une nouvelle offensive pour tenter de marquer un peu plus de points. Ah, la balle est à terre, la fille dans les pas du numéro 1. Et c'est Salon de Provence qui récupère sans lutte défensive. Juste devant. Et le but du numéro 3, Victor et son cinquième but. Temps mort pour HLB. Accordé de cette deuxième période. La mise en jeu du côté d'HLB qui avait suivi son 11e but. Le capitaine Valentin qui s'élance. La balle est à terre. Et ça ramassé par Thomas le capitaine aux couleurs de Salon de Provence. Numéro 7. Côté gauche du palais d'HLB, ça c'est une menace. Une nouvelle fois, Salon de Provence qui arrive à percer les lignes de défense.
HLB qui est juste devant. HLB qui est bloqué. Qui est bloqué par Victor. Égalité 3 pour Salon de Provence. La sortie avec le ballon. Une minute 20 pour le reste, pour le tempo. Hein. Une minute 20. Une minute 15 maintenant. Temps mort demandé par Salon de Provence. C'est Salon de Provence qui donne la suite 3. La défense d'HLB repoussée par Valentin. Repoussée par Antoine, pardon. Et non, qui essaye de créer un chemin, Thomas. Dernière seconde. Un peu de Julien qui possède la balle. On est time en cours. 30 dernières secondes. 20 dernières secondes. Et le 7. Le 2. Jolie récupération. Et c'est récupéré par HLB. 10 secondes. Et Noah qui rebouche là. 5 secondes. Et la fin de ce match avec la belle victoire pour Salon de Provence. 11-2.